Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. N'oubliez pas, restez tous authentiques. Bon, je suis super heureux, super enthousiaste aujourd'hui. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Super nouvelle. J'en tombe des nues. J'en perds mes mots. J'en bafouille d'avance. C'est un truc de dingue ce qui se passe. Pourquoi? Rachel Keke. C'est qui Rachel Keke? C'est une noire. C'est qui Rachel Keke? C'est une émigrée. C'est qui Rachel Keke? C'est une femme. C'est qui Rachel Keke? C'est une femme. Une femme que je respecte, qui avec son accent d'africaine, cette femme issue de l'immigration, qui n'est même pas née en France, qui a été naturalisée française et qui va siéger à l'Assemblée nationale en tant que femme de ménage. Bravo! Je respecte! Merci à tous ces gens d'en bas qui nous prouvent que la méritocratie en France, elle existe encore, elle existe toujours, malgré que je ne sois pas, entre guillemets, un pur républicain, malgré que... Bon, merci la République, merci de permettre à ce genre de personnes de pouvoir avoir accès au poste, à responsabilité. Merci à tous les gens, la 7e circonscription du Val-de-Marne qui a voté pour cette femme qui vient du monde d'en bas, du monde réel, des vrais gens qui connaissent les vraies préoccupations des Français, les vrais problèmes des Français, les vraies choses qui nous importent, les vraies choses dont on a besoin. Donc j'espère, pour la cause féministe, pour la cause des Noirs, pour la cause des femmes de ménage, pour la cause de toutes les minorités, pour la cause de tous les sans-dents, de tous ceux qu'on dénigre au quotidien, de tous les RSA, de tous les handicapés, de tous les gens, comme disait Coluche, de tous ceux qui se sentent démunis, qui se sentent perdus, qui se sentent abandonnés en France. C'est possible, vous avez la preuve, c'est possible. Vous voyez ou pas? Donc maintenant qu'on va arrêter de se victimiser, de dire on n'y arrive pas parce qu'on est noir, on n'y arrive pas parce qu'on est femme de ménage, on n'y arrive pas parce que j'ai l'accent du bled ou je sais pas quoi, eh ben si, tout le monde peut y arriver. Et cette bonne femme, ça en est la preuve. J'espère juste que derrière tout ça, il n'y a pas les francs MAC. Oui, j'espère juste derrière tout ça, c'est pas le FM qui est derrière tout ça, hein, les francs MAC. Je fais exprès de pas dire exactement la bonne présentation pour pas avoir de soucis. En tout cas, et même si c'est les francs MAC qui sont derrière, chapeau quand même, parce qu'ils ont été très très inspirés. J'espère juste que cette femme, elle n'est pas, pas manipulée par les francs-mac, parce que les francs-mac, ils sont toujours à l'affût. Mais sinon, cette femme, je tiens encore à la féliciter. Je ne sais pas de quel pays d'Afrique elle vient, mais en tout cas, bravo à elle, bravo à son pays d'origine, bravo à la France, vive la République, vive la France, vive Rachel Keke, qui va siéger à l'Assemblée nationale. Voilà. N'en déplaise aux Zemmouriens, aux ceci, aux cela. D'avance, je la défends. D'avance, je sais qu'elle va se faire incendier de partout dans la presse. Ça va être comme Taubira. On va la traiter de singe. On va lui lancer des bananes, des pots de bananes, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas grave. Elle a déjà réussi son combat. Elle nous a déjà prouvé que c'était possible. Donc, vous voyez, quand je critique Tanguy David, je sais pourquoi je le fais. Parce que là, Rachel Keke, je lui tire mon chapeau. Et vous pouvez pas me dire que c'est du communautarisme. Parce que moi, je suis musulman. Elle n'est pas musulmane, à ce que je sache, à en voir son prénom, Rachel Keke. Donc, à tous les coups, je ne pense pas qu'elle soit musulmane. Et même si elle serait musulmane, quand bien même, j'en serais encore plus fier. Mais là, elle n'est pas musulmane, donc c'est bien. On peut pas me dire, oui, mais tu la défends, nanan. Bon, après, vous allez me dire quoi? Ah oui, tu la défends parce qu'elle est... Non, je m'en fous. Tant qu'elle vient d'une minorité, même si elle serait blanche, j'aurais dit, enfin, une femme de ménage à l'Assemblée nationale. Enfin, quelqu'un... J'en sais rien, moi, un plombier, un pâtissier, un boulanger, je m'en fiche, ce que vous voulez, même un RSA, qu'il soit à l'Assemblée nationale, je serais content pour lui. Bon, je vais m'arrêter là parce que je vous connais, sinon ça va vous saouler. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, hein. Et je pense que je la mérite sur cette vidéo, hein. Juste pour Rachel Keke, là. Et moi aussi, je mérite. Moi aussi, je mérite de monter, d'aller au top, hein. Moi aussi, même si je suis pas à l'Assemblée nationale. Allez, encore une fois, merci de m'avoir suivi. Je sais, aujourd'hui, j'avais la pêche, c'est normal. C'est Rachel Keke qui m'a donné du peps. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous êtes au bon endroit, the place to be, là où il faut être, la chaîne du futur, Ngazi TV. À bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour la pérennité de la chaîne. Que Dieu veille sur vous et vos proches, que vous soyez croyants ou pas. Amen, amine, à bientôt. Pas de jaloux, restez authentiques.